c'est cette volonté d'être présent pour nos amis du Japon. Il n'y a pas besoin de vous rappeler que le 11 mars dernier, la nature s'est déchaînée cruellement, a broyé des villes, broyé des maisons, brisé des vies. Et c'est pourquoi, à l'initiative de Jean-Marc Luzana, le pianiste, avec la collaboration de Macha Meryl, la comédienne, nous sommes réunis tous ceux pour lesquels le sens du mot solidarité peut s'incarner justement dans la musique, dans le théâtre, dans cette recherche de la beauté. Nous croyons tous que seule la beauté peut sauver le monde, ce monde qui nous ronge parfois, ce monde qui nous fait mal, ce monde qui a fait mal au Japon et qui nous a fait mal à tous ceux qui aimons le Japon. C'est pourquoi vous êtes là, et il faut vous en remercier, puisque avec, vous le savez, le prix de chacune de vos places, on va faire grossir ce chèque, qu'à la fin de cette soirée, à la fin de cette folle journée, songez, les concerts qui se sont succédés depuis 11 heures ce matin, et qui vont se prolonger jusqu'à... et un peu plus que ça. Eh bien, avec tout cela, il va y avoir, on l'espère, de quoi aider. En partie, c'est une petite goutte d'eau par rapport à un tsunami, mais ce sont avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les ruisseaux, qui font les rivières, qui font les lacs, qui font les mers et qui font qu'on se sent vivant, qu'on se sent participer à cette volonté. Cette volonté, tous les artistes ici la vivent ensemble, puisque tous les artistes ici, les plus grandes stars comme celles que nous allons accueillir maintenant, aux plus jeunes pianistes, comme les élèves de Jean-Marc Luzana, qu'il a voulu associer aussi des élèves japonaises de Jean-Marc Luzana, eh bien tous sont venus, évidemment bénévolement, mais tout de suite, dès qu'on leur a demandé, ils étaient présents. De la même manière que quand on a demandé à Chantal et Jean-Marie Fournier, les dirigeants et directeurs de cette belle salle Gaveau, d'offrir leur salle, tout de suite, ils l'ont offert. Tout le monde est là, parce que tout le monde sait que cela vaut la peine. Tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur du Japon en France disait « Merci de faire quelque chose pour le Japon. » Voilà ce que nous pouvons faire, les artistes et tous ceux qui les entourent. On va commencer donc cette soirée qui va être une longue soirée variée et qui va nous permettre de découvrir toute une série de musiques différentes puisque justement il y a le mélange des styles, mélange des genres, mélange aussi de ces artistes venus de partout. Et on va commencer, vous le savez, par... une icône, une star, une chanteuse culte, une légende vivante, Sylvie Vartan. Madame Sylvie Vartan, pour la première fois à la salle Gaveau, je ne vais pas vous retracer la carrière de Sylvie Vartan, vous la connaissez tous. Je voudrais simplement vous dire que pour moi, personnellement, je parle cette fois en mon nom personnel, c'est une émotion particulière, parce que quand j'étais lycéen, à cause de Sylvie Vartan, je lui ai raconté ça tout à l'heure dans la coulisse, j'ai eu des problèmes avec mon lycée, parce que j'avais séché un cours pour aller voir un film dans lequel elle chantait « La plus belle pour aller danser ». Ça m'est resté au cœur, et pour mon bonheur, pour le vôtre aussi, elle va le chanter ce soir avec deux autres chansons, puisque Sylvie Vartan est toujours pour nous la plus belle pour aller chanter. Madame Sylvie Vartan! Préfère et je voudrais la chanter pour vous.
C'est... Je crois que c'est... C'est... Chicago. Encore une fille qui est partie. Depuis vous retenez vos larmes, vous les laissez sur une femme. Thank you.